Nous ne pouvons pas mettre fin à cette épidémie si nous ne dépensons pas plus d'argent et si nous ne le dépensons pas mieux. Je pense qu'il faut faire évoluer notre plan d'action. Actuellement, nous finançons des plans nationaux pour développer les pays. Il faudrait financer plus directement les gouvernements et les organisations locales performantes et moins coûteuses. Gardez bien à l'esprit que pour chaque dollar que nous gaspillons, nous mettons une vie en danger. Si vous voulez vraiment augmenter la prise en charge de la santé et les soins dispensés, nous avons besoin de plus de personnels médicaux qualifiés. L'Afrique a 10% de la population mondiale, elle représente 25% des problèmes de santé, mais seulement 3% du personnel hospitalier à l'échelle internationale.